Bonjour, chers amis. L'appel du Seigneur soit avec vous. Soyez bienvenus à ce partage de la parole. Nous sommes aujourd'hui, le dimanche 27 de février, 8e du temps ordinaire. Le passage de l'Évangile selon Saint Luc nous offre trois leçons de sagesse de Jésus. La première nous dit que le disciple n'est pas supérieur à son maître. La seconde nous incite à nous corriger avant d'essayer de corriger les autres. Et le troisième affirme que l'on peut connaître les gens en observant le sort. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 6, verset 39 au 45. Jésus, le roi des rois, c'est Jésus, le bon pasteur. Alléluia, 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 amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole: un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère: frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris, jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des épines. On ne vendage pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du corps. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, au temps de Jésus comme aujourd'hui, l'apparence était très importante. Mais l'apparence n'est rien de plus qu'un masque que nous mettons pour cacher ce que nous sommes vraiment. Peut-être que nous mettons ce masque lorsque nous entrons au bureau pour travailler, lorsque nous nous réunissons avec nos amis pour passer l'après-midi, ou lorsque nous allons à la messe le dimanche. Et quand nous retournons dans l'intimité de notre maison, nous enlevons et puis nous sommes à nouveau nous-mêmes. Autrement dit, le masque n'est rien de plus qu'une tromperie. Et cela tout, autant finit par être découvert. Nous connaissons toutes des personnes très soucieuses de parfaire leur apparence pour donner une meilleure image, en essayant de ne pas remarquer la supercherie. Mais certains politiciens et personnalités publiques ne sont pas les seuls à tomber
dans cette tentation. Nous-mêmes sommes également tentés de le faire. Autrement dit, au lieu de faire un effort pour s'améliorer, en interne pour offrir aux autres le meilleur de nous-mêmes, parfois, peut-être, nous consacrons cet effort à nous améliorer à l'extérieur, afin d'apparaître comme de bonnes personnes. Jésus savait que c'était quelque chose de très normal parmi les personnalités les plus en vue de son temps, à la fois politiquement, socialement et religieusement. Et il ne voulait pas que ses disciples suivent ce chemin du mensonge. Il voulait qu'ils soient vraiment de bonnes personnes, sages et charitables, pas qu'ils aient l'air ainsi. Il a voulu non seulement parce que l'occultisme finit par être connu à un moment donné, mais surtout parce qu'il voulait qu'ils soient d'authentiques saints et saintes qui vivaient le royaume de Dieu et le répandaient dans le monde entier. Pensons que pour vivre le royaume de Dieu, les apparences ne valent rien, si sophistiquées soient-elles. Il est inutile de faire semblant d'aimer si vous voulez vivre ici et maintenant. Vraiment, amour. Avec le psaume 138. Tu m'escrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève de très loin, tu pénètres mes pensées, que je marche ou me repose, tu les vois. Tous mes chemins se sont familiers, avant qu'un mot ne parvienne à mes lèvres, déjà, Seigneur, tu le sais. Escrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée. Éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. Voici, je prends le chemin des idoles et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Que le Seigneur bénisse aujourd'hui et demain, et chacun de vous et de votre famille, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à la prochaine.